Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de bataille de tickets. Aujourd'hui, on a un billion dollar gold rush de la loterie de Floride à 30 dollars contre 6 tickets à 5 dollars, le cash eruption. Alors, je vous propose qu'on commence par les petits tickets à 5 dollars. Alors, pour gagner, ici, il faut qu'on trouve un symbole dollar, enfin une liasse, pour gagner à 25 dollars. Est-ce que c'est le cas? Non. Et ensuite, ici, il faut qu'on ait trois fois le même symbole pour gagner le prix. Et là, pour le moment, est-ce que ça va être le cas là? Non. Perdant pour le moment, on va faire les lignes deux par deux. Est-ce que c'est pratique? Non, c'est pas pratique. Donc, cette colonne est perdante. Perdant. Ça perd. Ici aussi. Et ce ticket est perdant. Le deuxième. Non. Non. Pas de liasse. Et les symboles. Pour le moment, on ne gagne pas. Ah si, ticket gagnant. Les trois fois les clés. Trois fois les cœurs. Trois fois les citrons. Voilà, on va voir combien on gagne. Donc trois lignes gagnantes en tout. 4 dollars. 1 dollar, ça fait 5. Et 5 dollars, ça fait 10 dollars. Le troisième ticket. Perdant par là. Allez, c'est parti. On trouve, faut trouver trois fois le même symbole. Vous commencez à le connaître. Et pour le moment, cette colonne est perdante. La suivante. Perdant également. Est-ce qu'on va avoir trois fois le même symbole? Et non. Ça perd, ticket perdant. C'est parti pour ce ticket. Il nous faut ici le symbole du dollar. Non. Cette colonne est perdante. Celle-là, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'elle est perdante. Et oui, c'est bien ça, cette colonne est perdante. Pour le moment, donc, ces tickets à 5 dollars auront gagné, je crois, 10 dollars sur le deuxième ticket. Si ça perd aussi. Et non, je pensais que j'allais avoir la cerise, mais non, les cœurs non plus. Cloche. Non. Non. Et ce ticket est perdant. Le dernier ticket de la série avant le grand ticket à 30. Eh bien, pas de bonus. Et les jeux. Ici, ça perd. Kiwi, non. Peut-être la dernière ligne. Non, cette colonne est perdante. Toujours trois symboles, ou alors un deux fois, ou un cinq fois. Et non, un ticket perdant. Donc 10 dollars uniquement. Il faut que je batte 10 dollars avec ce ticket. Le dernier ticket qui est... Alors attendez, je fais un peu le ménage. Hop. À force de gratter, il y a beaucoup de poussière. Donc 30 dollars. Une chance sur 2,6 de gagner
quelque chose. Donc on va commencer par les numéros gagnants qui sont ceux-là. Voilà. Et les bonus. Alors pour 30 dollars, est-ce qu'on a à 58? Non, pour 50 dollars, 1,34. Non plus, je vais changer de pièce. Pour 23, non. Le 13, non. Et pour 1000, le 63. Eh bien, c'est perdu ici. Allez, les prix. Le 31 et le 56. 56, ticket gagnant. Je me le garde pour tout à l'heure. Le 40, non. Le 16, non. Je vais le faire doucement pour pas faire d'erreur. Le 3, oui, ça gagne encore ici. On se le gratte à la fin. Le 15, non. Le 60, non plus. Le 39 et le 45, perdant. Le 1, perdant. Le 8 et le 30, perdant. Le 7 et le 36, perdant. Le 24, perdant. Le 44 et le 64, ça perd. Le 4 et le 42. Le 4 et le 42, non. Et sur ce ticket, on peut gagner un maximum de 15 millions sur un gain. Donc bien entendu, on espère avoir les 15 millions. Le 11. Je me demande si un ticket FDJ sur lequel on peut gagner 15 millions. Je ne pense pas. Alors bien entendu, on a la chance de gagner 15 millions. Alors là, je ne suis pas allé voir avant de gagner. Mais ça doit être une chance sur 30 millions ou sur 40 millions. Donc c'est un peu comme... C'est un peu les mêmes chances que le loto ou que le remillon. Le 35. Le 33 et le 49. Non. Le 18. Le 62 et le 51. Non plus. Donc on a que le 56 et le 3 ici. Et on va regarder le 56. Il faut qu'on batte 10 dollars. Et allez, c'est fait. 20 dollars. Donc déjà, ce ticket a battu les autres. Et le 3, je pense que ça va être 10, malheureusement. Et non 20. Ça fait 40. 40 dollars de gain sur ce ticket à 30 dollars. Je vous mets par là une vidéo de ma chaîne. Et ici, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.